cet hiver par un froid intense, rentrant chez lui tout accablé. À sa femme il dit: mon Hortense, je crois que j'ai le doigt gelé. Tiens, regarde, il est insensible, va, plus d'espoir, il est bien mort. Mon ami, ce serait horrible, peut-être bien qu'il vit encore. Mon ami, ce serait horrible, peut-être bien qu'il vit encore. Mais le doigt, misérable tige, n'était plus piteux, racorni, qu'un souffle, un rien, moins qu'un vestige, et Nini, c'était bien fini. L'épouse s'écria plaintive: si tu le frictionnais fort, tiens, voici de l'eau sédative, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Tiens, voici de l'eau sédative, peut-être bien qu'il n'est pas mort. L'eau n'y fit rien, la pauvre femme se lamentait dans sa douleur. Si tu le chauffais à la flamme, ce qu'il lui faut, c'est la chaleur. Approche donc, quoi, tu recules, poltron, quand l'angoisse me tord. Comprends bien que si tu te brûles, ça prouvera qu'il n'est pas mort. Comprends bien que si tu te brûles, ça prouvera qu'il n'est pas mort. Toujours rien, en vain, il varie l'eau, le feu, le chaud et le froid. Il essaya le bain-marie, rien ne ranimait plus le doigt. Ah, fit l'épouse toute blême, il me resterait un remords si je n'essayais pas moi-même de m'assurer qu'il est bien mort. Si je n'essayais pas moi-même de m'assurer qu'il est bien mort. Oh, la femme, l'être adorable, pétrie de grâce et de bonté, chacune en sa foi secourable est à ma sœur de charité. Elle massa, mais avec rage, car stérile fut son effort. Pendant qu'il murmurait: courage, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Pendant qu'il murmurait: courage, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Lasse de la besogne aride, elle lâchait le doigt transi, qui s'obstinait morne et rigide, quand soudain son front s'éclaircit. Sommes-nous nigauds tout de même? La flamme n'y peut rien, d'accord, mais il est un moyen suprême de s'assurer qu'il est bien mort. Mais il est un moyen suprême de s'assurer qu'il est bien mort. On n'entendit plus dans la chambre rien sinon des mots encourageants, que la victime de décembre bégayait sur des tons changeants. Et tout à coup, l'épouse émue s'écria: mon ami Victor, béni soit le ciel, il remue, ah quel bonheur, il n'est pas mort. Béni soit le ciel, il remue, ah quel bonheur, il n'est pas mort. Marie, méditez cette histoire, le doigt peut vous geler demain. Vous avez la chose est notoire, le remède exquis sous la main. Le feu, cet élément du diable, peut vous rendre un peu votre essor. Mais le cul d'une femme aimable est mille fois plus chaud encore. Mais le cul d'une femme aimable est mille fois plus chaud encore.